sur la même lancée des actions pour contribuer à l'édification du Burkina. Ouagadougou en connaît aussi. Voyons la contribution des habitants de la capitale. Un particulier s'engage pour le relookage de voies de circulation. Le donateur inscrit son action dans le cadre de la contribution citoyenne pour offrir un cadre de vie assaini aux populations. Des précisions dans ce reportage de Sié Lassina Ouattara et Jérôme Tendano. Bienvenue au secteur 53 de Ouagadougou, au quartier trame d'accueil. Ces voies, jadis inondées de nids de poules, sont profilées par un particulier. Après 2 semaines de travaux, près de 10 km redeviennent praticables au bonheur des populations. On ne pouvait pas passer. Puis il y avait trop de nids de poules. Et quand ils circulaient dedans avec les oeufs, je versais trop les oeufs là-dedans là-bas. Mais j'ai vu aujourd'hui que c'était bien. Je le remercie beaucoup. En tout cas, il a une bonne idée et on l'encourage. En tout cas, la voie avant, ce n'était pas trop bon parce qu'il y avait des trous. Mais maintenant, en tout cas, ça va, on peut circuler. La voie était impraticable, mais avec ces travaux, maintenant on voit qu'elle est bonne et l'emprunter devient facile. Nous le remercions vraiment, que Dieu le bénisse. Et le généreux donateur, le voici, Alioune Ousmane Diallo, qui dit contribuer ainsi à l'édification du Burkina Faso en réponse à l'appel du chef de l'État. Le fait d'être déjà citoyen, c'est notre façon aussi d'être des VDP, c'est notre façon aussi d'apporter notre pierre à la construction de la nation et ça n'a pas de prix. Donc la satisfaction là, c'est ça qui est le coup. Si la population est satisfaite, si les gens sont soulagés, et visiblement nous le constatons, parce que là nous sommes en face d'une école, nous voyons les parents qui viennent chaque matin déposer les enfants ici. Derrière vous avez, c'est le centre médical, c'est le CSPS, oui, la maternité dispensaire de Baga 2000. Vous voyez que pour même avoir accès au centre ici, c'était tout un problème. Alioune Ousmane Diallo appelle chaque Burkinabé à faire preuve de patriotisme. Il promet des initiatives du même genre dans d'autres localités.